Mais gros, mais voilà, à cause de tes bêtises, on est dans le monde du clown tueur, là. C'est quoi cet endroit, là? Mais mec, c'est quoi ça? Mais pourquoi il nous a attrapés, mec? C'est pas possible. Gros, je sais pas, c'est trop peur. Par contre, regarde, il y a un toboggan. Oh, gros, un toboggan clown mort. C'est trop quoi, bien fait, ça, mec? Oh! Gros, mais c'est quoi ça? Je rentrerai jamais dans la bouche d'un clown tueur, hein, mec, dis, moi. Mais mec, c'est quoi ça, mec? On a pas le choix, on doit aller à deux. Et c'est parti, Nobo, viens. On fait non, le Death Run du clown tueur challenge. Mais mec, c'est ta faute, vraiment, je te le dis, c'est ta faute, clairement, si on est ici. Ouais, comment ça, c'est ma faute? C'est toi qui fais des bêtises à longueur de journée, c'est mais vraiment non. pas de ma faute. Mais mec, on est dans sa gorge, là, en plus. Allez, hop, c'est parti, Nobo. Moi, je suis chaud. Tu sais quoi, viens, on s'échappe hyper rapidement, comme ça, après, on est tranquille, et le culturel, il nous voudra plus du mal. Ça te va ou pas? Ouais, ça me convient parfaitement. J'ai pas de mentir que moi, j'ai très envie de partir de cette gorge. Attends, du coup, ça veut dire que là... Oh! Gros, je le vois dans la gorge! Comment ça t'es encore dans la gorge? Mais attends, j'arrive, mec! Attends, j'arrive! Parce que là, il y avait un peu de salive et du coup, j'ai glissé, mec! Non, ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à la salive! Mais gros, dans sa gorge, il y a des morceaux de nuggets! Non, mais mec, mais il mange de tout aussi! Mais attends, par contre, il y a plein de chapeaux de. Comme mon chapeau! J'espère qu'il mange pas des nains celui-là! Parce que, mec, si j'apprends qu'il mange des nains, ça va pas le faire! Je vais devoir me battre avec ce géant! Oh, non, je rigole, je me battrai pas avec lui, mais. T'as capté. Mais gros, c'est très connu que les clones tueurs, ça mange des nains. Ça arrête de dire ça à Nobo, parce que mec, je vais le chatouiller à sa gorge et il va le sentir passer celui-là. Attends, je suis avec toi, Nobo. Ok, vas-y, moi je... Mais gros, depuis quand les clowns ont des gorges vertes? Mais attends, mais ouais, c'est ça, mais attends, mais en fait, le truc, c'est... Il a combien de gorges, en fait? Tu pourrais m'expliquer? Mec, Nobo, je te dépasse. comment t'as fait pour me dépasser, espèce de gros nain? Mec, je suis un nain, mec, je suis un gros nain, du coup, je suis gros, et du coup, je prends plein de... Oh, attends. Oh, gros nain. Oh, je suis où là? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais c'est quoi? Attends, mais ça je pense que c'est une narine vu que c'était triangle. Ah oui, mec, c'est une narine, ça, y'a moyen. Oh, mec, attends, mais c'est trop. Eh, par contre, attends, mais c'est trop bien, mec. J'avoue qu'être dans une gorge de clown, c'est incroyable. Mec, j'aimerais bien vivre dans une gorge de clown. Je sais pas toi, moi j'adore vivre dans la gorge du clown challenge. Et là, oh, allez, super. Je veux prendre le tronçon. Mec. Super quoi. Ouais, gros, moi par contre je suis passé premier, hein. Moi je te... Oh bon, par contre j'ai parlé un peu trop vite, je me suis pris un poteau en plein dans le faciès. Par contre Nobo, je te le dis, il peut rester qu'un survivant, je l'ai vu au début, le clown me l'a dit quand il m'a couru après, du coup j'espère que c'est pas moi qui va mourir. Gros, mais bien sûr que tu vas mourir, gros, il va t'avaler tout cru. Il adore mais mec... Arrête... Mais ah ouais, t'es au courant qu'il faut prendre les pièces, ok, je pensais que t'avais pas compris. Ben j'avais pas compris depuis le début, je prenais pas les pièces. Oh non mais Nobo, franchement t'abuses, mec, allez hop, c'est bon, hop. Oh, oh non, okay, ici, je suis mort au dernier moment. Sérieusement, mais il a trop de salive dans sa gorge, celui-là aussi. Ah, mais non, mais voilà, mais oui, mais c'est quoi? Mais attends, mais il mange aussi, ça mange aussi des bonbons, un clown. Mec, un clown, ça mange de tout, gros. Tu vois les bonbons qu'on trouve à Halloween? Ben lui, il les vole, ce malade. Quoi? Un clown, ça vole les bonbons d'Halloween? Mais j'avais jamais entendu parler de ça. Mais gros, un clown, ça... Ouais, un clown, ça vole les bonbons, mec. Attends, mec, juste sur des Haribo, là. Attends, je saute sur des Haribo. Oh, toi, ton Haribo préféré, c'est lequel, toi? Mec, moi, je te cache pas que mon Haribo préféré, c'est le rouge, mec. Les cerises et tout, c'est trop bon, gros. Ah ouais, moi, je préfère le noir parce qu'il paraît que c'est fait avec de l'insecte. Ah, intéressant, ça. Gros, ouais, j'adore manger de l'insecte à tous les dimanches. Mec, j'ai bien l'impression que t'aimes bien manger des insectes. Mais les insectes, c'est ultra dégueu, Nobo. Genre, je sais pas comment tu fais pour manger des insectes, mec. C'est répugnant. Gros, en fait, c'est très simple. Tous les matins, je me réveille et je fais une petite brochette. Un peu comme des brochettes de Scampi. Sauf que je fais des brochettes de sauterelles. Mais mec, mais attends, mais Nobo, t'es vraiment bizarre comme mec, je te jure, les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez Nobo bizarre. Parce que moi, personnellement, depuis qu'il mange des insectes au Haribo, je trouve trop chelou, Nobo. Mec, par contre, tu vois pas sur quoi on vient de passer, gros. C'est un intestin grêle. Mec, c'est un intestin grêle, un truc de fou. Et c'est parti. Moi, j'ai envie de voir les intestins chauds parce que là, ils étaient grelés. J'ai pas ça, les grelés. Mais ta blague, elle est trop nulle. J'ai bien, mec. Allez, c'est parti. Moi, vite que je me casse d'ici parce que l'intestin grêle, c'est pas pour moi. Ah ouais, moi aussi, je suis impatient de partir. J'aime vraiment pas être dans le clown. En plus, tu sais quoi, ma maman, elle a super peur des clowns. Elle a super peur des clowns, ta maman? Ah ouais, des fois elle fait des cauchemars avec des clowns. Parce qu'en fait, depuis qu'elle a vu le film ça, je sais pas si tu connais le film ça. Bah ouais, mec, je connais le film ça. Mais gros, attends, mais qu'est-ce qu'il a mangé d'orange comme ça? Je pense qu'il mange des carottes aussi, non? Je pense qu'il mange des carottes aux oranges, mec, j'ai jamais vu ça de ma vie. Des carottes aux oranges? Mec, allez, c'est parti, hop! Oh! Quoi? Je suis redescendu. Mais gros, mais non! C'est quoi ce pin? Mais mec, c'est un Bings to Bings. C'est un Bings to Bings, mec, j'ai absolument rien compris. Mec, c'est incroyable parce que, franchement. S'il n'y avait pas le matricule 117 qui courait autour de... Oh! Le matricule 117, c'est quoi ça? Mec, le matricule 117, c'est la banana split. Oh.
Qu'est-ce que tu fais? Non, je sais pas, je comprends pas ce que c'est. Tu t'es laissé tomber. C'était trop marrant. Parce que genre, qui se laisse tomber comme ça? Oh, mais bon, je suis... moi aussi. Je me suis laissé tomber comme du poireau quelqu'un. Comme du quoi? Du poireau quelqu'un? Le poireau quelqu'un. Et c'est parti, mec. Moi, je me casse sur ma ligne verte. T'es sur la ligne verte, là? Ben, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais, en tout cas. Mec, je sais pas si ça va marcher. Je pense qu'il faut scroller le plus à droite. Il me semble que c'est ça, la technique ultime. Je sais pas, moi, j'ai essayé. Oh non, mais je suis tombé. Vas-y, mais mec, ce niveau, il est impossible. Mais bien sûr qu'il est possible, Ludovic. Allez, dépêche-toi, là. Oh, je t'ai appelé Ludovic. Mec, personne m'appelle Ludovic, mec, dans ma famille. Tu sais très bien, moi, c'est Lidolena. Ah oui, c'est vrai, c'est toi, Lidolena. Mec, je vais péter un plomb, je suis à deux doigts d'exploser un truc. Oh mec, c'est bon, je suis là, regarde, je suis là, Nobo. Bon, je me casse, mec, j'ai pas envie de rester ici. Comme je t'ai dit, il peut rester qu'un survivant. Oh non, Nobo, je rigolais. Nobo, viens. Quoi? Viens deux minutes. Non, je viens pas. Parce que toi, t'es là, tu commences à faire des blagues comme ça, me laisser tout seul. Mais y'a pas de soucis, moi, j'ai très très bien te laisser tout seul. Mais je te laisserai pas tout seul, Nobo, t'inquiète pas. Je suis un vrai. Oh mec, mais attends, mais par contre, il mange de tout ce clown, hein. Je te jure, ce clown mange de tout, mec. J'ai mais jamais gros, vu ça. Tu sais, là en fait, c'est des petits jouets que les bébés ils jouent avec. Mais là, oui, pour faire les constructions. Mais mec, attends, mais c'est un clown tueur en fait. Gros, tu sais que je commence à comprendre, mais c'est un clown tueur, j'ai l'impression, hein. Mais gros, t'avais pas encore compris que c'était un clown tueur depuis tout à l'heure. On voit des mains d'enfants et des mains de bébés. Et toi, tu vois pas que c'est un clown tueur. Mais oui, d'accord, Nobo, mais genre, je pensais que c'était un clown tueur gentil. Mais là, c'est vraiment un clown tueur méchant. Et il mange des enfants. Donc, les gars, si vous croisez un clown dans la rue, n'allez pas lui parler vraiment. Prenez vos précautions et restez jamais tout seul parce que c'est pas bien ça. Ouais, surtout si vous le troisez, hein, le troisez comme Ludo il dit, hein. Mec, faut si vous attention qu'on le troise. Nigo. Oh mec, il a mangé Blackbird. Non, BDD, il a mangé tout cru. BDD. Par contre, tu sais quoi, moi j'aime bien les sushis, j'ai toujours rêvé de manger BDD, moi aussi. Mec, t'es sérieux, tu manges pas BDD, c'est un pot quoi, mec. BDD, il a un goût de poisson en plus, c'est dégueulasse le poisson, mec. Ça fait devenir intelligent. Ben moi j'adore les sushis, donc c'est à mon avis BDD il me plairait, non, le manger. Mais mec, est-ce que t'es au courant que manger des poissons on devient intelligent? Mec, nous on est des gros débiles, mec, on a pas besoin de ça pour vivre dans notre vie, ok? Ah oui, c'est vrai que c'est pas toi qui va être intelligent, non? Ah ça c'est sûr, mec, moi je mangerai jamais du poisson, j'ai pas envie de devenir intelligent. J'ai pas envie de perdre ma street cred, mec. Vas-y, c'est parti, je t'attends, je suis au-dessus. Ok mec, par contre, toi qui as lu les livres sur les clowns tueurs, il y a combien de niveaux là? Mec, il y a 50 niveaux, mec. 50 niveaux? Oh mais, quoi, mais genre tu savais pas? Bah gros, je savais pas du tout, moi je connais pas, moi j'ai jamais fait des trucs sur les clowns tueurs dans la mortadelle, hein. Mais mec, et comment tu sais que j'ai lu ça, toi? Tu m'espionnes ou quoi, Nobo? Mais bien sûr que je m'espionne, enfin surtout quand tu prends ta douche. Hey, Nobo, non, ça est. Mec, par contre, en vidéo, je t'ai déjà dit d'arrêter de me regarder dans la douche, mec, t'es sérieux là, vraiment? Bah gros, tu sais bien que moi j'aime bien te regarder tout le temps dans ta petite douche, ouais, et quand t'es tout nu, et quand tu retires ton slip. Mec, vas-y, c'est bon, ça se dit pas, vas-y, on reprend la vidéo. Ouais, c'est bon, Nobo disait encore des bêtises, les gars, c'est bon, on s'est réglé. Et tu sais quoi, tant qu'on y est, j'ai vu ta petite copine une fois. Nobo! Hey, Nobo, je te jure, je vais venir chez toi là, t'as pas vu ma petite copine, tu rigoles là, Nobo! Non, elle était toute nue, elle avait retiré son slip. Mec, vas-y, ça se fait pas, ça te regarde pas ma petite copine quand elle est toute nue, Nobo, franchement, t'abuses, mec! Non, t'inquiète, j'ai vraiment pas mis de caméra dans ta salle de bain en plus. Nobo! Je te jure, ça va se faire, si je te trouve, mec, je vais te vendre au clown tueur, je vais te donner ton adresse et l'adresse de ta maman, mec. Ouais, bah le gros problème, c'est que là, je suis surtout derrière toi et si je me fais attraper par le clown tueur, je suis vraiment dans le caca. Ah ouais mec, le cacatozo. Oh mec, il y a des crocs de nez. Il y a des crocs de nez, je te le dis clair et net, il y a des crocs de nez. Il y a quoi? Il y a des crocs de nez? Attends, ça veut peut-être dire que les clowns mangent leurs crocs de nez? Mec, les clowns mangent leurs crocs de nez challenge, j'ai l'impression, regarde ça mec, c'est quoi ça? Ou alors c'est... Non, mais c'est des cerveaux. Mais attends, mais t'es où toi? Ah t'es tout là-bas, mais qu'est-ce que tu fous là-bas mec? Bah gros, j'essaye de me dépêcher mais j'ai un peu du mal. Attends, mais c'est quoi ces petites boules rouges là? T'es vraiment un cacatoès mec, un Je suis pas un cacatoès, tu sais quoi, moi je suis un arachnide, moi. Mec, t'es pas un arachnide, t'es un cacatoès, Nobo. En plus, t'as du mal. Je suis pas un cacatoès. Nobo, t'es un cacatoès. Challenge. Ok, c'est bon, là je passe dans quoi? C'est une narine de bébé. Okay. C'est une narine de bébé, c'est logique. Nobo rentre dans la narine de bébé challenge. Oui, et ici, bonjour, comment je fais? Ah, ok, d'accord. Gros, ou quoi? Mec, il y a des crocs de nez de cerveau, gros, j'ai jamais vu ça par contre, hein. Des crocs de nez de cerveau, j'avais vraiment jamais vu ça. En tout cas, ça a l'air bon, moi je mange mes crocs de nez et j'aimerais bien goûter cela. Ah, mais moi aussi personnellement, moi personnellement, je mets un peu de sucre et de sel parfois. Oh, attends, viens, il faut qu'on trace là. Oh mec, on est bientôt là, à la fin. Là, c'est les bulles de sang, je pense.
Ok. Ah non, mais j'ai glissé. Non. Oh non, mais Nobo, t'abuses, mec. T'as encore glissé. Attends, c'est bon, moi, j'ai fini, mec. Je suis bientôt. Et par contre, je me casse bientôt du clown. Hein. Je sais pas, par contre, j'ai réfléchi un peu. On est rentré par la bouche. Et là, on descend. Ne me dis pas où est-ce que je pense qu'on va sortir, rassure-moi. Je pense bien qu'on va sortir par le pet. Hein, oh non, non, mais mec, sérieusement, j'ai pas envie de sentir le caca, mec. C'est quoi ça? Tu vois, j'adore, moi, j'ai du caca et sentir le caca. Oh, ouais, toi, je sais bien, je me doute. J'ai déjà vu que t'avais déjà fait un prank à ta petite copine parce que t'avais du caca sur les fesses. Ah ouais, ouais, moi j'adore ce genre ouais, de choses. Ouais, j'en ai bien rigolé. Gros, oh non, gros, on dirait une sortie de pet. Quoi? Gros, regarde ce tout bras là-bas. Oh non, mec. Non. Gros, c'est tout bras, non, on va sortir par du caca. Oh non, non, pas le caca, non, j'ai pas envie, je suis mort. Oh non, mais mec, j'avais pas envie de sortir pour les pépettes du clown. Franchement, c'est dégueulasse, ça pue, mais non, plus jamais je vais voir un clown tueur. Sur ce, yeah. Abonne-toi à ma chaîne YouTube juste ici et regarde ma dernière vidéo juste là. Ouais, regarde. Clique dessus, juste clique dessus parce que je sais que t'as oublié de l'avoir. Et abonne-toi, oublie pas de t'abonner, c'est important. Mais clique. Clique. Allez, allez. Ciao.